Bonjour à tous, bienvenue sur Culture Gaming. On se retrouve aujourd'hui sur Stardew Valley, où le but va essayer de gagner un petit peu d'argent quand même. Alors demain nous rassemblons tous sur la plage, le meilleur moment de l'événement, blablabla. Ok, alors les événements ne m'arrangent pas forcément. J'ai juste baissé un petit peu le son de mon casque parce que ça me casse les oreilles. Ah, on a oublié de rentrer la petite poule. Tu te pousses, madame Poupoule. Hop. Voilà, on a remis. Oh, mes arbres ont poussé. Que je peux les secouer, ils ont... Qu'est-ce que j'ai? C'est quoi ça en fait? C'est une géode? Oui. Oh, on va le vendre. Pas comme ça. Je voulais aller regarder, je ne sais plus où j'ai mis le bois. On va aller regarder, hein. Peut-être que je l'ai mis dedans, je sais plus. On a 271. On va aller jeter un oeil. J'ai voulu faire un petit tour. D'abord, on va récolter, bien évidemment. S'il y a quelque chose à récolter, je crois pas. Ah si, j'ai ça. Ah non. On avait un truc. On va arroser tout le reste. J'ai voulu regarder sur, un petit peu sur le net comment gagner de l'argent. Mais il n'y a pas de solution miracle, ça je me doutais bien. Faut se concentrer sur les récoltes, sur la pêche. La pêche, comment vous dire? J'arrive pas à pêcher, donc... C'est déjà un miracle si j'arrive à avoir un poisson, mais alors si j'arrive à sortir, c'en a encore un autre. Donc, je vais peut-être plus me concentrer sur les cultures. Apparemment, les coquillages sont aussi un bon moyen de gagner de l'argent. Et c'est pour ça qu'on va aller faire un tour du côté de la plage. Il y aurait un pont à rebâtir qui permettrait d'accéder à une zone un peu sympa. On va aller voir ça. On n'a plus d'eau, petite dame. Faut que je pense à refermer la grille de ma poule le soir. Faut qu'elle est rentrée parce que... Je crois que c'est mieux pour elle. Et à l'occasion, je m'en reprendrai une deuxième. Voilà, on a tout arrosé, on peut se sauver. Alors, je vais regarder la carte, parce que je suis désolée, je ne me rappelle plus. Faut que je passe par le village. Bon, ça tombe bien, je voulais y aller de toute façon. On va vendre le piment. Ramener la géode à sa place. Ma petite dame, elle a bu, elle ne marche pas droit. On peut rien faire avec ça, non, c'est des fleurs. Alors là, on en était, hein, j'ai pas beaucoup rejoué depuis la dernière vidéo que je vous ai faite. J'avais pas envie de reprendre toute seule. Puis surtout, bah, j'ai un peu beaucoup occupé par Pokémon. Donc forcément, on peut tout faire. Est-ce qu'il est ouvert, lui? Oui. Alors, transformer géode. C'est du charbon. T'es peut-être pas obligé de te promener avec ton charbon, madame. Améliorer les outils. Bon, ça sera pour une autre fois. On va descendre à la plage. Je vais juste vérifier que je suis sur la bonne route. Faut que je prenne le chemin là-bas. Je croyais que c'était des petits vers qui étaient là, mais non, pas du tout.
Oh, il y a des coquillages à récolter. Ah, ça, c'est des vers, par contre. C'est la boutique de pêche. Ça, on peut rien faire. C'est ça, ici. 300 morceaux de bois, ça pourrait être réparé. Eh bien, on n'est pas loin, les enfants. Parce que vous voyez, il y a plein de choses de l'autre côté. On va rentrer à la maison. On va aller casser du bois. On va revenir avec nos 300 bouts de bois. Pour voir ce que ça nous réserve. Alors, pour ceux qui sont plus avancés que moi, si vous avez des techniques sympas pour gagner de l'argent, faut pas hésiter à me le dire. Je voulais aller voir, il y a un truc aussi ici à la ferme. Ah, c'est pas là à la ferme, c'est au-dessus. Je me perds tout le temps. Ça viendra les repères. Alors là, on a de la paille radiateur, soit les cisailles bottes de foin. On peut racheter des poulets. Ok, bah pour l'instant, on est bien comme ça. On se rentre. Si je ne me suis pas trompé, on habite au-dessus. Oui. Et puis bon, on y va. On a quoi, 14 bois. Je peux en aller dans les 270 à la maison. À comparé à Doraemon, c'est beaucoup moins compliqué d'avoir du bois. On va aller vendre les coquillages. Ça, je sais plus ce que j'en faisais. Là, c'est tout ce qui est graines. Là, ça doit être tout ce qui est culture. Donc le reste, c'est à l'intérieur. Ça, c'est de l'argile. Ouais. Charbon. Argile. Bois. Voilà, on est bien. Écoutez, il est 15h, on a encore le temps, je pense, de retourner vite fait là-bas. On va repasser par en bas. Histoire de voir ce que ça peut nous ramener. Bon, le truc, c'est qu'on marche pas très vite, donc faut pas être pressé, mais... Je prends la houe au cas où il y ait des petits vers sur la route. Alors, faut pas que je fasse n'importe quoi, faut pas se perdre. Hein. On peut passer là? Ouais. Allez, on répare le pont. Attendez, parce que je voulais peut-être me faire une petite capture pour l'étiquette. Voilà. On y va. Mais non, petite dame. Pourquoi elle veut plus? Oui. Voilà, on est bien. C'est quoi tout ça? Oh, c'est classe, il y a plein de trucs à ramasser.
Ah, il y a un lieu de pêche aussi, du coup. J'espère que c'est des trucs qui vont nous ramener des... rapporter des sous. Une huître. Je veux dire, on pourrait pêcher. Bah, j'ai pas la canne à pêche. C'est pas malin. On peut faire quelque chose avec ça, non? Ça non plus. Et ça non plus. Bon, on va aller rentrer vendre ce qu'on a ramené. C'est pas grand chose. Mais peut-être que ça a un intérêt. Ah, petite dame. Ah, parce que là, c'est quand même la dèche. Hein. J'ai récupéré un petit peu de sous, mais le problème, c'est que j'aimerais bien pouvoir racheter pour faire des cultures. Ça va vite me coûter cher. On retournera demain faire un tour sur la plage pour voir si ça revient tous les jours ou pas. Les coquillages, tout ça. Et du coup, on regardera aussi en se couchant ce que ça peut rapporter. En sachant qu'on n'en a pas 3000 non plus, hein. Mais on en a quand même. On en a 1, 3, 4, 5 et 6. La petite poule, elle est rentrée dans sa maison. Vous voyez, hop, je ferme la trappe. Est-ce que mes arbres là-bas ont commencé à pousser ou pas? Ah bah les deux que j'ai plantés sont sortis aussi. Ça, on me propose toujours rien de faire. Bon, ça sera peut-être pour plus tard. Allez, comme il est tard, on va se coucher. Donc on est à 1785 et on va voir ce que ça nous rapporte. Je vais ranger le bois. Il va falloir en recouper pour le coup. Bulletin météo. Ah oui, c'est vrai qu'il y a la fête. Ça m'arrange pas. Hein. Ouais, nouvelle recette. Bon, on n'a pas de cuisine pour l'instant, mais... Pas mal, 682 en coquillage. Et juste 135 pour l'œuf. Ah, l'huître, elle compte comme de la pêche. Bon, c'est pas fantastique, hein, mais quand on n'a pas de seau, c'est pas mal. Là, il y a un truc à cueillir. Un autre ici, et je crois qu'on a tous les... Ah ouais, tout le blé à ramasser. Je vais aller voir là-dedans. J'ai du blé. Ouais, bah, je peux vendre tout le reste. Je sais pas s'il me reste assez de graines. On est en été. Hein. Graines de melon en 12 jours. On a le temps. Et on va mettre de l'engrais. Ah non, c'est l'engrais de printemps. Écoutez, on va essayer celui-là. Et on ira sécher des graines en même temps, du coup, parce qu'on n'a plus assez pour replanter correctement.
vais ranger l'engrais. On va arroser ce qui reste. Je me trompe tout le temps de bouton. Hein. Je suis pas comme ça. Du coup, passage par la ville pour acheter. Ah bah non, parce que ça va être la fête. Je suis sûr que le magasin sera même pas ouvert. Du coup, pas de récolte demain. C'est pas bien. Les événements, c'est bien dans ce genre de jeu, mais c'est un peu comme quand vous jouez dans Harvest Moon et Doraemon The Story of Seasons, c'est la même chose. Du coup, personne n'est à son poste de la journée et c'est une journée perdue. Parce que moi, franchement, je vous l'avoue, c'est pas ce qui me passionne, hein, les événements. C'est bien pour les relations, mais moi, ce qui me compte au début, c'est d'arriver à me développer correctement. Pour le bien, on ira voir, hein. Quand même. On va peut-être juste aller chercher la canne à pêche au cas où. Vous savez, ce truc injouable. On va dire bonjour au chat. Et on va aller sortir la poule. La voilà. Pour l'instant, en défaut d'en faire autre chose, je vais vendre mes œufs. Hein. Enfin, mon œuf. Ce qui n'est pas beaucoup d'autres choses. On va quand même passer par la ville au cas où le magasin est encore ouvert, mais j'ai vraiment un doute. C'est quoi ça? On récolte tout ce qu'on peut. C'est tellement dur d'avoir de l'argent et d'être bien. Normalement, il ouvre à 9h, donc on aura vite la réponse. Hein. La porte est verrouillée. Vous me cassez les pieds. Ah non, mais je n'ai rien à mettre, mon petit gars. Tu sais, mais je suis un peu nul. Là, c'est la super piste de danse. Au moins, j'aurais fait quelque chose. Et l'événement, il finissait à quelle heure? Je sais plus, moi. Allez, on se fait l'événement comme ça, on avance. Bien, le moment est venu de commencer la cérémonie du buffet festif. J'espère que vous mettrez des ingrédients de haute qualité sur la table cette année. Nous voulons que le gouverneur ne regrette pas sa visite dans le Valais. C'était l'inverse, mais c'est pas grave. Eh bien, gouverneur, voulez-vous nous faire l'honneur d'être le premier à goûter la soupe? Quel suspense! C'est assez dégoûtant, je pense que je vais me passer de... Je pense que je vais me passer de cette soupe cette année. Ok.
Quelqu'un a dû gâcher avec un ingrédient de mauvaise qualité. Oups, je crois que c'est moi. Eh bien, quelqu'un veut... Ah, ils vont tous me taper, vous croyez? La soupe n'était pas très bonne, mais la fête hawaïenne était un succès. Il est temps de rentrer à la maison. Quelle heure il est? Ah ouais, vous m'avez foutu une journée en l'air comme ça. Bon, bah écoutez. Hein. Bulletin météo. Ok. Ça, je le fais tout le temps, mais je sais même pas tout ce que je regarde. Ah, on avait vendu quoi? Du blé, je crois. Hein. Ok. Bah, goûter toujours mieux que rien. Effectivement, les cultures, faut trouver des cultures qui sont assez courtes pour pouvoir les récolter rapidement. Nouveau succès, néophyte. Oh, regardez-moi ça. On a des piments partout. Ça, c'est classe. Et maintenant que tout est revenu à la normale, on va en profiter pour aller racheter des graines, agrandir le jardin. Oh, je croyais que c'était prêt. Ben, c'était prêt. Je fais juste n'importe quoi, c'est tout. On arrosera au retour, en fait. Hein. Oh, la pauvre, je l'ai encore laissé dehors. Coucou. Tu m'as fait un joli œuf. Un œuf tout court. Bah oui, j'étais vilaine. Alors, les piments normaux, j'en ai de chaque. Donc, je vais pouvoir vendre tout ça. On a encore le temps d'arroser parce que le magasin, je crois, n'ouvre qu'à 9h. Je voulais tout arroser d'un coup, mais tant qu'à faire, autant vous s'occuper. Faudrait que je retourne dans les mines aussi, ça fait un petit moment que j'y ai pas été. Faudrait que je trouve aussi qui c'est qui construit le silo à grains. Pour pouvoir mettre l'herbe pour avoir la paille pour les poules. Oh, l'ombre du petit nuage qui passe. Du pédo. Alors du coup, je cherche en fait quel itinéraire faire pour pouvoir faire le grand tour. On va déjà aller en ville. Rien à ramasser par là? Non. Un petit lapin qui court. Est-ce que vous savez si on peut faire quelque chose avec les petits lapins qui courent? Je vous demande parce que j'en sais rien du tout. Je les vois juste courir, mais ça s'arrête là. Alors, ça c'est 12 jours. Ça c'est 11 jours les tomates. Les myrtilles 13. Le poivron. Voilà. Ça fait mal. Et je suis venue ici pour acheter, alors. Hein. 6 jours, les radis. Le pavot, c'est trop cher. Ça, c'est clair. Du maïs aussi. Tournesol. C'est super cher.
écoutez, hein. On est déjà pas mal comme ça. Alors j'ai besoin de ma carte parce que je suis perdue. On est où? Moi je voudrais aller... Ça doit être la Syrie, je pense, qui me fait le silo. Je sais plus. On va essayer d'y aller, mais je crois que c'est pas par là. Et on redescendra à la plage après. Construire les bâtiments de la ferme. Je peux faire que le poulailler ici. Boutique, il y a quoi? Je crois que je n'en suis pas à pouvoir décorer ma maison. Je n'ai pas les moyens. Et améliorer la maison. Alors 10 000 et il faudrait 450 mois. Bah, c'est pas infaisable. Du coup, je ne sais pas où on construit le silo à grains. Si quelqu'un sait. Ce serait super parce que je suis perdue. On va redescendre à la plage. Je crois pas que c'était par là. Ah si, c'est là. Je n'ai rien dit. Ouais, c'est bien beau, mais j'ai plus rien si je vais de l'autre côté déjà. J'ai plus de place. Ah, il y a plein de trucs. Ah, il faut espérer que ça soit de la même qualité, comme ça je peux les cumuler aux autres. Ah, c'est cool, j'ai pu tout ramasser, je suis contente. Sauf que j'ai ramené la canne à pêche pour rien, mais il est que midi, donc on a le temps de rentrer à la maison, se débarrasser de tout, faire le jardin, et on ira pêcher un petit peu. Se ridiculiser en public, moi j'adore ça. On viendra chercher ça. Parce que là, on a pas mal de plantations à faire. Il fait quoi, lui, sur son skateboard? Ok. On va re-regarder à la ferme. Magasin d'alimentation et de fournitures. Acheter des animaux. Je pense que je vais rapidement racheter une deuxième poule. Parce que mine de rien, les yeux, ça rapporte pas mal. Hein. Alors, tu plantes petite.
sais pas si j'ai grand intérêt à tout planter quand même maintenant. Écoutez, on va se le tenter. Hein. Je sais bien qu'il me refaudra des sous d'ici quelques jours pour planter la suite, mais... Tu peux planter ton petit blé ou pas? Voilà. On va ranger le reste de blé. On a des cultures pas trop dégueu là. Et je m'amuse à faire des barrières tout autour aussi, ça serait sympa. Et plus d'eau. Est-ce que vous croyez qu'on a des poissons dans cette horrible mare là? J'ai un peu raté mon lancer. C'est horrible. Déjà, je me trompe de bouton. Déchets. Déchets. C'est déjà une vraie misère pour avoir un poisson. Journal des trempés. Je sais pas ce qu'on est censé faire de ça parce que quand je le mets dans la boîte, ça rapporte que dalle. Bon. De toute évidence. C'est pas le bon endroit. J'ai plus beaucoup d'endurance, mais on va descendre un petit peu. Trouver un point d'eau. On va essayer ici, tiens. C'est tout le temps la même chose. Moi, je sais pas que je veux pas gagner de l'argent avec des poissons, j'adore pêcher, mais dans ce jeu, c'est une horreur, la pêche. Lunettes cassées, ça doit être la 10e paire que je ramasse au moins. J'ai essayé de pêcher à la plage plutôt. Ah, j'ai plus d'endurance. Autant vous dire que c'est là que je vais pêcher un poisson. Bon allez, on va aller ramener ça dans la truc. Je sais plus où j'avais mis ça, bon, c'est pas grave, je vais le remettre là. Alors, mince, j'ai oublié de regarder la télé. Tant pis, ce sera surprise demain. Niveau 5, choisir une profession.
Éleveurs de bétail, les produits d'origine animale valent 20% de plus, les récoltes valent 10% de plus. Oh, bétail ou cultivateur? J'ai plus de cultivateurs pour l'instant. Allez, vous m'aurez vu choisir ma profession. Ah, regardez, on s'est fait pas mal de sous, hein, 1500. C'est pas une mauvaise idée, je pense, cette petite plage là où j'ai mis les 300 bons morceaux de bois. Oh, il fait pas beau. Moi, je veux des chapeaux, ok. Je vends des chapeaux, ok. Viens à la vieille maison, ok. Apporte-moi des pièces, ok. Ma pauvre poule, j'espère qu'elle va sortir par ce temps. Je vais aller fermer la porte. Ah, le souci, c'est qu'à l'intérieur, j'ai rien pour la nourrir. On finira peut-être pas entièrement cette journée. Pourquoi il me parle encore avec ça, avec ça? Merci papa. Ah, il est que 6h du matin. Ah, quand on n'a pas à récolter parce qu'il pleut, à arroser, ça passe vite. Wow, il y a des méga orages. Il paraît que ça mord mieux quand il y a de l'orage. Tu vas où toi, monsieur? Heures. Est-ce qu'il y aurait un point d'eau dans le coin où on pourrait pêcher? Bah là. On va pêcher jusqu'à ce que le magasin il ouvre. C'est quand même un peu la cata, hein. En tout cas, c'est passionnant, hein, parce que les journées, on ne les voit pas défiler. Moi, ma ferme, elle progresse bien. Oh, mon Dieu! Ah, apparemment, ce que j'avais vu, quand il y avait un orage sur la plage, le lendemain, a priori, il y a pas mal de choses à récupérer. Ouf! Ça, c'est un lancer pourri. On va aller au magasin, on ira faire un tout petit détour par la plage avant de retourner à la maison et on s'arrêtera là. Est-ce qu'il y a moyen de pêcher un poisson ou pas? Eh ben non, il n'y a pas de moyen, allez. Garde vos animaux au chaud et heureux tout l'hiver. On va quand même acheter deux bottes de paille au cas où. On se rachèterait un poulet, ouais. Hein. Coco d'or, bon c'est pas mal. Bon, allez, on va pas se casser la tête. Voilà, on ira voir comment il va au retour, on va à la plage vite fait avec ce temps magnifique, ça donne envie de se baigner, hein, n'est-ce pas? Je savais pas qu'il y avait des métiers, c'est cool. Ici, il n'y a rien de particulier. Il y a ça, là. Un oursin.
Bon, oh, c'est qui que tu fais là, toi? Vieux marinier, j'ai cette vieille amulette à vendre, mais quelque chose me dit que ce n'est pas encore le moment pour toi, jeune fille. D'accord. Bah, tu me diras quand ce sera le moment, monsieur. Là, pour l'instant, c'est la tempête. Alors moi, je vais rentrer dans ma maison. Et puis oui, si vous pouvez me dire où est-ce qu'on trouve le silo. Moi, j'ai plus de place sur moi, mince. Et est-ce que je suis censée faire aussi des déchets, puisqu'a priori, ils ont l'air de rien me rapporter quand je les vends, donc il y a peut-être autre chose à faire avec, je sais pas. Je pourrais très bien fouiller sur le net, mais c'est plus marrant si vous me le dites vous. J'avais rangé où le cola? Ah ben, je peux bien le mettre à l'intérieur. J'en avais pas. Ah, je l'avais peut-être déjà utilisé. Je l'ai peut-être pris la fois où j'étais à la mine en même temps. Mon petit chat, il fait froid dehors. Hein, c'est quoi qu'un canapèche? Tu peux te casser parce que tu ne sers à rien. Petit poussin, bon il ressemble pas à grand chose le pauvre petit poussin, mais voilà, on leur a mis à manger. Cocoda semble curieuse mais un peu prudente, c'est un nouveau monde étrange pour elle. Le silo est vide, construisez un silo et coupez l'herbe avec votre fou pour le remplir. Bah oui, mais comment on construit le silo? C'est pas que je veux pas, hein. Bien au contraire. Voilà, on va s'arrêter sous cette pluie battante pour aujourd'hui. Et je reviendrai très prochainement quand la ferme aura évolué cette fois. Alors n'hésitez pas à me laisser plein de commentaires, à me laisser des conseils pour m'aider à progresser. Et moi je vous dis à très bientôt et amusez-vous bien.